maison et devant Dieu que j'ai reconnu cet enfant comme mature pour se lever, aller à mon ministère, quelque part votre ministère aura certainement des difficultés. Soit des difficultés. Et même si elle peut ne pas avoir de difficultés, dans certaines années, oui, mais ce ministère aura des difficultés. C'est vrai. Ce sera un ministère illégal. Oui. Parce que tu fonctionnes pas dans l'esprit de la soumission et de l'obéissance. Mais dans l'esprit de la rébellion. Mais dans l'esprit de la rébellion. Or, même si tu prospères, on a vu les hommes de Dieu, après 30 ans de ministère, reviennent à eux-mêmes, regrettent que j'avais même mal commencé. Même si ce ministère paraissait florissant. Et c'est important aussi de le dire que le succès n'est pas signe de l'approbation divine. Pas tout à fait. Le succès, la réussite aux yeux des hommes n'est pas signe de l'approbation divine, comme nous venons de le dire. On peut bien voir avec les yeux matériels. Tu as des voitures, tu as des maisons, tu as des cathédrales. Des belles cathédrales et tout et tout. Mais tu es rejeté de Dieu. Parce qu'effectivement, c'est ce que le Seigneur Jésus était en train de dire dans le passage que nous avons lu. Jésus dit, regardez, considérez que parmi vous, il n'y a pas des hommes assez approuvés par la société. Sages, intelligents. Des gens sages, des gens intelligents. C'est des gens... Les Paul lettrés sont... Il est rare. Mais oui. Tous les autres... C'est pas dit que tu n'appelles pas les lettrés. Mais comme nous l'avons déjà dit... Le métier doit être brisé. Il doit être brisé. Il doit traverser le désert. Il doit passer par le désert. Bon, je voulais continuer en disant donc, comment répondre à l'appel de Dieu sans détruire l'Église? Très important. Donc, comment répondre à l'appel? Nous sommes dans le cadre d'une personne qui est effectivement appelée par l'Éternel. Quand tu es vraiment appelé, il faut un temps d'attente. Et il faut connaître que Dieu t'appelle. Premièrement, pourquoi? Il a ses desseins. Il a ses buts. Il a ses objectifs. Dieu, dans ce monde, recherche ses enfants. Il veut des personnes qui soient ses enfants, qui deviennent ses enfants. Il a besoin des personnes qu'il doit adopter. Parce que la Bible dit que, dans 1 Jean 3, 8, celui qui pêche est du diable. Donc tout le monde, tous ceux qui pêchent sont enfants du diable. Mais quand Dieu t'appelle, il t'appelle par la prédication de la croix, t'appelle en Jésus, pour que tu deviennes son enfant. Donc, Dieu désire une famille. Ça, c'est un des desseins de Dieu. Deuxième dessein, Dieu nous appelle à l'unité et à vivre ensemble. Parce que Dieu désire l'unité. Dieu désire une famille, Dieu désire l'unité. Dieu désire également un corps. Parce que Jésus, Dieu pouvait faire qu'il sauve sans être humain. Mais Hébreu dit, tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et c'est ce corps maintenant que Jésus vient sur la terre en mourant à la croix, il dispatche. Et chacun prend sa portion. Mais quand tu prends ta portion, ne mange pas ou bien ne gère pas ton ministère comme si tu étais une affaire indépendante. Tu es toujours membre du corps. Donc il faut que tout, comme dans l'Église d'Antioche, apôtre, prophète, ministère de ceci, ceci, que nous soyons toujours ensemble parce que chacun n'est qu'une portion du corps de Jésus. Et c'est cette Église universelle sur la terre qui forme le corps de Jésus. Et c'est cette assemblée locale dans une ville ou des assemblées dans une ville qui forment le corps visible de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un prend la Sainte Cène sans discerner et que c'est le corps de Jésus qui a été crucifié et aussi sans discerner cette idée d'unité, que je mange comme ça pour dire que je ne fais que partie d'un ensemble. Je ne suis pas fort par moi-même. Je ne me suffis pas moi-même. Je suis parce que Christ a voulu. Et je dois reconnaître l'existence de mes frères et sœurs. Exact. Et donc, Dieu désire un corps. Dieu désire un corps. Et
lorsque nous considérons l'apôtre Paul qui a fait face à certaines difficultés, des frères qui voulaient absolument que les frères païens puissent être circoncis, et Paul a porté cette affaire à l'église de Jérusalem. Nous voyons que dans le corps de Christ, il y a l'esprit de dépendance, on doit dépendre de l'un l'autre. Absolument. Mais quand aujourd'hui les gens se lèvent et se déclarent super apôtre, nous sommes super HPAP, ne veulent pas se soumettre aux autres, mais cela est un peu contraire à la pensée de l'église primitive, parce que nous voyons Paul, 14 ans au pied de Gamaliel, né hébreu, né pharisien, oui, né pharisien bien sûr, de la race de Benjamin, et qui peut avoir une telle considération des apôtres, que je pourrais même dire des apôtres, même illettrés, parce que la formation que Pierre avait, que Jacques avait, que Paul avait, Jacques et Pierre n'ont pas eu cette formation, mais il a pu se soumettre à ces personnes. Où est le problème? D'où vient le problème? D'où vient-il qu'au jour d'aujourd'hui, des personnes se croient tellement autosuffisantes? C'est l'orgueil, c'est la chair, c'est le moi. C'est ça que l'apôtre Paul dit, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Également, le dernier désir, Dieu désire un peuple qui lui appartient. Dieu désire un peuple qui lui appartient. Il a choisi les enfants d'Israël. Et il dit, c'est mon peuple. Et il dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Ce peuple a péché. Bien que Israël, en tant que nation, est la nation de Dieu. Israël est la nation sur la terre qui représente Dieu sur la terre. De même, l'Église en Jésus-Christ est un peuple qui appartient à Dieu. Si nous péchons, si nous mentons, si nous avons des comportements qui ne reflètent pas le royaume de lumière dans lequel nous appartenons, c'est que nous sommes en train de créer du désordre, des problèmes au corps de Jésus, à Dieu lui-même, parce que nous sommes en train de violer ses desseins. Donc je répète, Dieu désire une famille, Dieu désire l'unité, Dieu désire un corps, Dieu désire un peuple. Et cela, c'est dans l'appel. Nous devons, quand nous sommes appelés, connaître cela. Et quand nous connaissons cela, nous ne devons pas nous comporter n'importe comment. Il y a toujours un moyen pour se séparer de l'assemblée locale. Quand nous devons quitter l'assemblée locale, il faut que l'assemblée soit d'accord. Soit d'accord. Que l'assemblée nous bénisse. Il faut que le Père spirituel nous bénisse. Il faut que les frères se réjouissent, connaissent même pourquoi tu es appelé. Là, l'Église va continuer à prier pour toi. Mais quand tu appelles quelqu'un d'ailleurs, qui va de temps en temps prier pour toi? Toi-même, tu vas rendre compte à qui? Apôtre, lorsque la personne se dit, bon, ici, je vois qu'il y a des personnes spirituelles, et je suis devenu très spirituel, comment est-ce que je dois attendre avant que des personnes qui ne sont plus spirituelles puissent me bénir? Je vois qu'ici, le pasteur, s'il n'est plus bien, il ne jeûne plus, je ne sais pas, il y a déjà trop la chair ici, il faut que je parte, je n'ai pas besoin de leur bénédiction. Tout cela, c'est le désordre. Tout cela, c'est le désordre, c'est la désobéissance, c'est la révolte et c'est la rébellion. Un milieu qui t'a béni, tu es devenu, si jamais tu as été là, tu es devenu ce que tu es devenu par ce milieu, par les prières de ce milieu. Comment tout d'un coup, ce milieu-là devient un milieu qui te défavorise? C'est toi qui es le problème. C'est parce que tu cherches tes intérêts. Si tu cherchais les intérêts de l'Église, les intérêts de tes frères et sœurs dans l'Assemblée, tu devrais permettre que cette Assemblée, ces frères, te bénissent avant que tu partes. Et est-ce que pour ceux qui jugent des serviteurs de Dieu, apôtres, parce que pour certaines personnes, lorsqu'elles refusent, qu'elles ne veulent pas la bénédiction de son père spirituel, parce que nous connaissons un cas ici en Afrique, je ne préfère pas mentionner le nom, ce papa aimait tellement son fils spirituel qu'il le quittait et voulait absolument ne serait-ce que prier pour lui, pour le libérer. Mais curieusement, cet homme a dit, je n'ai pas besoin de ta bénédiction. Je veux dire ici, est-ce que quelque part son père a failli, et même son père a failli, est-ce que ça donne au fils de pouvoir condamner le père au point de refuser même sa bénédiction? Pourquoi est-ce
que je le dis? Je me souviens encore du temps d'Élie où des abominations graves se commettaient dans le temple. Mais jusqu'à ce niveau, la parole de bénédiction était encore sur les lèvres du sacrificateur Élie. Au point où, même ne pouvant pas discerner que Anne priait et Anne même provoqué Anne sans s'en rendre compte, mais la manière que Anne a abordé le grand prêtre en lui disant ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, c'est l'esprit, je ne suis pas ivre, c'est l'esprit maduré qui m'a fait parler jusqu'à ce moment-ci. La même personne a prophétisé que le Seigneur t'accorde ce que tu lui as demandé. Et nous voyons que la femme est passée, puisqu'elle a mangé, sa face a changé, elle a conçu, elle a enfanté un fils qui fut une grande révélation pour la nation d'Israël. Est-ce que quelque part, avoir pu cette raison de quitter son père spirituel, ou une raison quelconque, et au point de refuser la bénédiction? C'est toujours l'ignorance. L'apôtre Paul dit, quand vous aurez, j'extrapole, 1000 mètres, vous n'avez qu'un seul père. Vous n'avez qu'un seul père. Ça veut dire tout simplement que c'est quelqu'un. Il connaît les douleurs de l'enfantement. Il connaît comment il a encadré. Il connaît comment il a nourri. Il connaît comment il a pris soin. Même si ton père devient fou, il demeure ton père. Il demeure ton père. Mais il y a une grosse difficulté à apôtre que je pourrais encore peut-être remettre ça entre les mains des apôtres, parce que je crois que ces personnes qui quittent de façon précoce leur mentor, leur père spirituel et se lancent dans un ministère, c'est encore un autre apôtre, la personne, un autre papa qui était censé donner à cette personne, reconduire cette personne à la voix du Seigneur, qui l'appelle, qui reçoit cette personne et l'ordonne comme une provocation même, ce que je vous le dis. C'est tout ce que nous disons. C'est toute l'immaturité de part et d'autre. Et c'est un cas général. C'est de l'erreur. C'est de l'erreur et c'est de la précipitation. Et c'est de l'immaturité et c'est du désordre. Personne ne doit prendre l'enfant de quelqu'un pour en faire le sien. Même si Dieu nous appelle ses enfants, c'est lui qui nous a créés. C'est par séduction que nous sommes allés chez le diable. Donc, Dieu ne fait que nous ramener à lui parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, l'adoption, je peux dire, parce que certaines personnes disent qu'ils adoptent les enfants. Disons que tu as adopté. Dieu adopte par rapport aux enfants d'Israël. Et il nous adopte de façon légale. En payant le prix de la mort et de la souffrance, de la mort et de la résurrection de son fils. Donc il ne vient pas seulement comme par un coup de bâton magique et dit que je vous adore. Dieu prend la peine. Dieu paye le prix. Dieu se révèle même pour que l'enfant qui veut accepter Dieu comme son père connaissent les sentiments, les projets, les désirs qu'il a pour cet enfant. Mais quand tu prends quelqu'un là, dans la rue, et tu lui imposes les mains, mais l'apôtre, la Bible dit n'imposez pas les mains avec précipitation. C'est là où je voulais chuter, parce qu'apôtre, je crois qu'il est très important que vous puissiez faire vraiment le point sur cet enseignement de l'appel de Dieu, parce que nous avons des églises dans cette nation, dans cette ville, où on a l'impression que les pasteurs sont plus nombreux même que les chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour l'appel? Explique-nous ça de fond en compte. Ok. L'appel de Dieu, c'est quoi? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans la ville. Très bien, ça m'a... On voit le collège des anciens, des pasteurs plus nombreux même que les chrétiens. Ça m'amène donc à entrer, à continuer dans le sujet. Il y a plusieurs niveaux d'appel. Et si nous n'avons pas compris ces niveaux d'appel, et je veux dire que c'est parce qu'on n'a pas compris ces niveaux d'appel qu'on entre dans l'erreur. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 12, je ne sais pas quoi, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc il y a plusieurs niveaux d'appel. Il y a l'appel général, qui est un appel pour le salut. C'est l'appel pour la sainteté et la vie éternelle.
C'est l'appel à devenir enfant de Dieu par adoption, comme j'étais en train de dire. Donc, ça c'est un appel à être séparé du monde, à être, ne plus faire partie du monde. Faire partie du monde. Bien que vivant dans le monde. Oui, c'est un appel à la renonciation à toi-même. C'est l'appel à la mort à soi-même et mort au monde. L'apôtre Paul dit, je suis mort pour le monde comme le monde est mort pour moi. Le Seigneur Jésus disait, qui de vous peut me convaincre du péché? Donc c'est l'appel à la vie éternelle. Toute personne qui a reçu Jésus, qui entend l'évangile de la prédication, est appelé à la vie éternelle, à être enfant de Dieu. L'exemple de l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, Dieu l'appelle. Et il refuse tout ce qu'il faisait dans le judaïsme. Il cesse de persécuter l'église. Il devient enfant de Dieu. Deuxième niveau d'appel, c'est l'appel à être esclave. C'est ça. C'est l'appel à être esclave, serviteur de Christ. Il s'agit d'être esclave par amour pour le nouveau maître. Qui est Jésus-Christ? Et c'est un appel à servir Jésus et à servir les hommes. Parce que Néhémie est appelé à servir. Josué est appelé à servir Moïse. Néhémie est appelé à servir le roi. Le roi. C'est. Donc, quand nous sommes appelés, Jésus étant le maître, le roi, il nous appelle à le servir au travers des hommes. Oh, tu vas voir ces gens des appelés-là. Ils veulent qu'on porte leur sac, qu'on scie leurs chaussures, qu'on lave leurs habits, envoyer les gens au marché. Mais eux, ils n'ont jamais servi quelqu'un d'autre. Quelqu'un. En d'autres mots, tout appelé doit vivre une relation verticale et horizontale. Verticale avec le Seigneur, horizontale avec les hommes. Oui, tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas servir Dieu sans servir un homme. On ne peut pas servir Dieu sans servir un homme. Nul, aucune personne dans la Bible que Dieu a appelé, il a appelé pour t'envoyer auprès d'un homme. Wow. Tout le monde. Et bien. Donc, cet appel à être esclave, c'est l'appel pour la consécration. Premier appel, c'est l'appel pour le salut, pour la vie éternelle. Oui. Deuxième appel, c'est l'appel pour la consécration. Consécration, ça ne veut pas dire qu'on te met la toge ou bien on te met une tenue. C'est-à-dire, on t'appelle à te soumettre, tu te consacres à Dieu. Tu consacres tout ce qui t'appartient. Ton temps, ta pensée, ton argent, ta famille, ta vie. Tout, tu mets tout ça. Tu viens à l'église avec. Tu viens à Dieu. Quand je dis à l'église, c'est-à-dire à Dieu qui t'a appelé. Ça, c'est l'appel à la consécration. Les hommes de Paul, nous lisons cela dans Actes 9, 5 et 6. Quand Dieu, Jésus appelle Paul, Paul répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Saul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est le service. Wow. Que veux-tu que je fasse? Mais il dit d'abord, Seigneur. Donc il soumet humblement, volontairement. Il dit, ce merveilleux Seigneur, celui qui m'a appelé là, je me soumets, je l'appelle mon Seigneur. Et maintenant, s'il est ton Seigneur, il dit, Seigneur, tout ce que tu as me dit de faire, je vais le faire. Ça, c'est l'appel au service. Deuxième niveau. Et ce service, tout chrétien doit faire ça. Oui. Tout chrétien. Quand tu es appelé, Dieu t'envoie dans une église. Dans cette église, tu dois servir. Même si tu n'es pas diacre, même si tu n'es pas ancien, mais en tant que membre de cette église, tu dois servir, cette église-là. Tu dois servir les frères, les personnes dans cette église-là.
ta bénédiction en dépend. Ta croissance spirituelle en dépend. Ta protection en dépend. Troisième. Troisième niveau d'appel qui est, j'appelle ça l'appel spécial. Chaque croyant a un appel spécial dans sa vie. Chaque croyant a un appel spécial dans sa vie. Oui. Par exemple, l'apôtre Paul, il est appelé, ou alors Saul de Tarse est appelé à être apôtre. Okay. Il est appelé à être apôtre. Ça, c'est l'appel spécial. Quelqu'un peut être appelé à être technicien. Par exemple, nous sommes à Living Water Channel. Quelqu'un peut t'appeler, dire, va à Living Water Channel pour s'occuper des appareils. Avec la connaissance, la technique que tu as là, va mettre ça au service de Dieu dans la chaîne de télévision Living Water Channel. Quelqu'un peut être appelé pour les affaires, sa spécialité, dans les affaires à être commerçant, dans les affaires à être artisan, dans les affaires à être je ne sais pas quoi. Chacun a un appel particulier. Tu peux être appelé à bâtir, construire les églises. Tu peux être appelé à exhorter. Tu peux être appelé à enseigner. Tu peux être appelé à prophétiser. Nous trouvons ça dans Romains 12, versets 3 à 8 et dans Éphésiens 4, 7 à 16. C'est Jésus-là qui appelle maintenant. Tu deviens maintenant le prolongement de Jésus-Christ. Ou bien c'est le Saint-Esprit aussi qui peut t'appeler. Il n'y a pas de différence entre Jésus et le Saint-Esprit. C'est un appel à fonctionner comme une personne qui représente Jésus. Par exemple, Jésus sur la terre était apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Il faisait tout. Maintenant, quand il va au ciel, il le dispatche, il le distribue, il accorde des appels particuliers à des personnes pour le servir sur la terre. Quelqu'un peut être appelé à être comptable, administrateur, don d'administration. Ça, c'est l'appel à un travail spécial. L'exemple de l'apôtre Paul maintenant, dans Actes 13, quand il avait servi le Béliard pendant plus de 14 ans. C'est vrai qu'il était appelé dans son appel à être enfant de Dieu, à servir Jésus, il avait cet appel particulier à prêcher les païens, à être l'apôtre des païens. Amen. Acte 13, 1 à 4, mettez-moi à Paul, à part. Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Et c'est pourquoi nous disons, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, dit le Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle. C'est le même Jésus qui l'a appelé sur le chemin de Damas. Qui dit Saul, Saul. On dit qui es-tu, dis Jésus. Maintenant, dans Acte 13, le Saint-Esprit dit mettez-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc c'est le même Jésus qui l'a appelé sur le chemin de Damas. Qui le met encore à part à l'église. Parce que l'église doit être dirigée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas les hommes qui doivent dire que je trouve que tu donnes beaucoup de dîmes, tu donnes beaucoup de francs, tout le monde dit, on te nomme ancien, on te nomme administrateur, on te nomme diacre. Parce qu'ailleurs, on déboule de l'argent pour être consacré dans une fonction quelconque. Non. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Ok. Quatrième niveau. C'est l'appel particulier. Séparer. Séparer pour l'évangile. Paul est appelé apôtre. Il peut être apôtre. Par exemple, Barnabas était un apôtre. Oui. Pour l'enseignement. Il était un docteur. Oui. L'apôtre Paul dit, je t'appelle pendant que Pierre va s'occuper. Les juifs, ta spécialité, c'est les païens. Non, pas
spécialité, ta particularité sera chez les païens. Sera chez les païens. Mais tu es spécialisé comme apôtre, mis à part. Particularité chez les païens. Amen. Amen. Séparé donc pour l'évangile. Il y a au sein de chaque appel un appel particulier. Par exemple, Pierre et Paul, tous apôtres. Mais chacun a une particularité. Mais appel spécial. Pendant que Pierre est appelé apôtre pour les Juifs, Paul est appelé apôtre pour les gentils, les païens. C'est la spécialisation. On peut être tous médecins. Appelé à être médecin. Mais peut être néurologue. Néurologue. Généraliste. Non, pas généraliste. Neurologue. Cancérologue, ophtalmologue, dentiste, anesthésiste, tous sont docteurs, mais chacun se spécialise. Cardiologue. Dans la maternité,